pile, le fil. C'était pas prévu, c'était pas prévu. Désolé, là, c'est pas... Et il est re-remort. Pas prévu du tout, mais on va faire comme ça. Salut à tous, salut à toutes, c'est Grefoxys de je suis en compagnie de Garnick qui est encore bloqué. Salut Garnick. Salut, moi je suis encore bloqué, ça m'énerve. Alors voilà, Garnick a voulu faire son petit malin, essayer de... d'avoir les Silverfish pendant que... Le Silverfish, malheureusement. Et bah, c'est qui mouille parce que il y en avait d'autres en fait. Et on a énormément. Alors j'ai peut-être pas, vous verrez peut-être pas parce que j'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le réflexe d'appuyer tout de suite sur le bouton d'enregistrement. Je vais vous faire voir tout de suite. Hein. En tout cas moi c'est le cas. Ça grouille. J'espère que ça va pas trop s'entendre. D'ailleurs par sécurité je vais baisser un peu le son de Minecraft. Bonne idée, pareil. Et donc j'avais fait une épée en diamant et je n'ai plus d'épée en diamant. Et bah son épée en diamant elle est là-bas. Et il y en a encore des centaines, hein. Enfin, je sais pas si c'est des centaines, mais il y en a encore la grosse blinde. Énormément. Le mec alors, qui a fait ses traps, dommage, c'est ouais. Dommage que j'ai pas de la TNT parce que ça aurait été vite réglé. Exactement, surtout que je sais pas si tu l'as vu, mais il y avait des cubes de bedrock. Oui, j'ai vu la bedrock en dessous. Voilà, donc au moins t'es évité de casser. Donc là, je suis remonté, hein, ah. Fox. Eh, regarde les melons, ils ont poussé. T'es où? Oui, je suis là. Voilà, donc je pense que c'est en mangeant la pastèque qu'on drop des graines, si je dis pas de bêtises. Je sais pas du tout comment on a les graines. Je crois qu'on les a que dans les donjons. Ah. Non, mais il me semble qu'il y a, il y a un côté réel dans ce truc. Ça a été rajouté il y a peu de temps, il me semble. Dans la version 1.0, c'est encore un peu... Enfin, je sais plus, en fait. Voilà, on sait plus. Alors, j'ai besoin de bois, parce que je suis en train de piocher du bois un peu partout sur la map. Voilà, c'est pas bien. Est-ce qu'il te reste? Bah oui, voilà, de la poudre d'os, autant mieux en profiter, t'as un arbre... Voilà. Alors je vais me refaire un équipement complet. Voilà. Je vais essayer de me dépêcher pour pas que mon stuff disparaisse, parce que j'ai perdu énormément de trucs en diamant, du coup. Bah écoute, t'as perdu même le stuff que tu avais au début, donc la pioche en fer et... Non, le stuff en fer, tu as eu le temps de le récupérer apparemment. Non, il a dû disparaître. Parce que je vois une pelle en fer. Ouais, il y avait ça. Ouais, je vais reprendre voilà, ça vite fait. Une pelle en fer, une épée en diamant. C'est pas comme si l'épée en diamant était juste à côté. Non, elle est bien au fond. Bien au fond du truc où il y a tous les silverfish, donc ça va être vraiment compliqué. À récupérer. Ah ouais. Ah non, mais là, ça va être très 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 compliqué d'essayer de... Ah, j'avais... Oh, purée, le con. Je crois que j'avais aussi gardé le... Ah, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'avais aussi gardé le cuir sur moi, en fait. Oui. Je confirme. Merde. Bon, ben, on repart avec de l'équipement pourri, hein. Alors, je te... Grefox, j'ai une épée en bois. Mm-hmm. Et une pioche en bois. Mm-hmm, mais écoute... Et mes petites mimines. Eh ben, écoute, moi, je dis c'est suffisant si tu sais où... Comment attaquer ça. Alors je vais faire un peu de cobblestone pour pouvoir me faire autre chose que du truc en bois quand même. Oui, profite, oh, là tu as boulet. Assez de... tu as de la marge. Avec un peu de chance ils vont disparaître. Ah non, ça disparaît plus les monstres. Oh merde, je suis pas dans la bonne version de Minecraft. Eh oui, c'est fini la version 1.8. Ouais, la version... enfin, les versions antérieures à la 1.0 et 1.9 ou 8, je sais plus. Voilà. Les monstres disparaissaient quand on déco Rocco ou des choses comme ça. Exactement. Et ce que là, il reste ces fumiers. Il reste. Et resteront pour toujours, ce qui n'est pas le cas de ton stuff. En gros, dépêche-toi. Donc il va récupérer de la cobble pour se faire une épée en cobblestone, c'est ça? Bah au moins ouais, je vais me refaire l'épée en cobblestone. Ah. Et aussi la pioche en cobblestone tant que j'y suis. Et pourquoi tu ne ferais pas plusieurs épées en cobblestone que tu stockerais quelque part dans ton coffre chez toi? Comme ça si tu meurs, tu perds pas de temps en fait. Parce que je ne suis pas organisé. D'accord. Alors je vais essayer de creuser un peu ailleurs. Y'a quoi par là? J'ai pas été par là. Si. Ah. Non, je n'avais pas été ici. Ah si, tu avais trouvé du diamant ici. Ah si, oui.
Oh non! Alors c'est vraiment une horde, hein, parce qu'ils sont partout. Purée de merde. C'est vraiment des saletés. Fuis. J'essaye. Bah non, mais hey, arrêtez, bande de fumier. Je vais en mourir. Et il se marre, le fumier. Mais... Bah tu vois, si je pourrais venir t'aider, ça irait beaucoup plus rapidement, mais bon... Voilà. C'est pas le cas. Bon, je reste là. Loser. J'en ai rien à faire, je reste là. C'est pas sympa, non mais enfin bref. Ah non, tu dois terminer les deux derniers objectifs qui te restent, trouver de milliers de la glowstone et aller faire un tour dans le nether, et, pardon, les trois derniers objectifs, tuer les silverfish. Bah c'est bon, là, il y en avait plus. Ah, attends, je suis bête. Voilà, je vais aussi me faire ça vite fait. Ici, tu en as une bonne dizaine. Là, tu en as une bonne centaine. C'est vrai, ça encourage. Ah ouais, non, mais c'est vraiment... Ouais. Ah... T'as de la chance que ça se reproduit pas, ces saletés. Ah, dis pas de bêtises. Non mais attends. Ça pourrait, hein. Alors je me suis fait ça. Toum. Ouh, t'es cheaté. C'est pas ça que je voulais faire. Poum. Ah non, tu veux te faire quoi, une épée en or? Ouais, non, je voulais faire l'épée en or. Ah oui, t'as vraiment dû te gourer au niveau du schéma pour faire une épée, une pioche en or. Hein. Ouais. Alors... Il avance d'un pas assuré. Enfin d'un pas. Non, d'un pas de tapette plutôt. Ouais. J'en entends. Oui, mais eux aussi t'entends. Et ils t'entendent plutôt. Non, ils t'entendent. Non, ils t'entendent. Ils t'entendent. Parce que vu combien ils sont, je crois qu'on peut le mettre, on peut se permettre de le mettre au pluriel, ouais. Tout à fait. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Attends, je vais pas abîmer la pioche en... Hein, c'est quoi qui pousse? Purée, ça me pousse. En fait, ça me pousse à travers, ça bug un petit peu. Ça se font chier. Ouais. C'est vraiment des saletés, hein. Oh, purée, pire. Je les entends grignoter, ces fumiers, hein. Ah mais ça grignote. Ah non, j'ai fait une bêtise. Bah allez. Oh. Alors on croit que c'est fini à chaque fois et bah non. Ah non, je m'enfonce dans le sol. Aïe. Oh. Alors j'espère vraiment pas que tu vas tomber parce que là t'es mort. Ah là. Oui, je confirme. Bon. Mais c'est horrible. Il est fini l'épisode que je puisse aller me pendre. Mais non, mais c'est... Attends, t'es qu'au début, hein. Il te reste encore 13 minutes, hein. Ah merde. Et ouais. On échange de place. Allez, vas-y, tu viens dans le cube et puis... comment dire? Bah écoute, ouais, je veux bien essayer. Allez, alors petite ellipse, on va inverser les rôles. Voilà. À tout de suite. Bon bah re tout le monde, voilà. Ouais. Changement on a inversé de... les rôles, voilà. De rôle, ouais. Inversons les rôles, voilà, c'est moi qui suis à l'intérieur de ce... De cette cage. Alors je vais essayer de pas trop me spoiler, je vais pas descendre plus que nécessaire. Voilà, donc tu te limiteras au silverfish, hein, c'est ce que t'as vu pour l'instant. Bah je vais essayer de vraiment pas descendre plus, même si là je viens de voir un truc que j'aurais pas dû voir, mais bon tant pis. Allez, j'ai vu où est-ce qu'elle était la clé. D'accord. Enfin tant pis. J'essaierai de pas trop tricher, enfin je vais vraiment suivre Greyfox, donc vous verrez pas trop d'autres trucs. Je vais essayer. Bah, arrête de faire semblant de sortir. Je pense que ça va être drôle, hein, ce truc. Alors, il pousse, lui? Bah... Il a poussé? Non. Ah, le foutage de gueule! Je viens d'utiliser deux poudres... Ah, de farine d'os dans le vent, quoi. Ah. Il a pas poussé! Non! Bah, écoutez... Donc oui, cette histoire du silverfish, pendant qu'on était en train d'inverser les rôles. Le problème des silverfish, idée. C'est qu'on peut pas les repousser. Ils sont trop nombreux, patati patata. Une autre solution, c'est tout simplement d'essayer de les noyer.
Enfin, pas de les noyer, mais de les repousser grâce à l'eau. Oh, j'entends le bruit. Alors. Mon dieu, il y en a un. Là, il y a une pseudo. Ouais, alors, vous allez voir un truc génial, c'est que les silverfish vous attirent, vous pousse plutôt, alors que vous êtes au-dessus d'eux. Regardez bien. Ouais, voilà, là. Pareil, ça bug et un peu. Vous avez vu, ça, ils viennent de me pousser, quoi. Donc, hop. Un peu de flotte, ça va vous calmer quelques secondes. Alors, je sais pas s'ils peuvent se noyer. Les monstres peuvent se noyer. Mais là, là comme ils sont mis, ça m'étonnerait qu'ils vont se noyer. Si t'optimises un peu mieux le truc, il y a moyen de les noyer, ouais. Dans le coffre où tu es, là, du donjon, il y avait un autre seau. Oui, je l'ai pris, je l'ai pris. Donc si tu remplis, si tu te refais ici une petite source d'eau infinie, tu vas pouvoir les bourriner, en fait. Bah attends, il y avait une source d'eau, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah oui, mais non, il y a aussi d'autres silverfish là-bas, non? Ils sont en dessous, ouais. Ça, c'est pire que les rats, ouais. C'est horrible, ce truc, hein, c'est... Alors ils sont... Ouais, ils sont là. Non, bah, non mais de toute façon, eux, je pourrais les tuer si je serais un peu stuffé, mais... Ça... Ouais, mais bon, il y en aura d'autres. Attends, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Non, je n'ai pas vu de diamant. Ah, c'est trop marrant, ils te suivent. Ah bah oui, attends, ils ont faim. Et il pleut, bien fait Bourdois, tiens, moi je suis à l'abri, je vais peut-être me faire... Bah des moi aussi, oreilles, en fait, je suis à l'abri, là. Ah, il y a une petite bordure sur la cage. Ouais, c'est vrai. C'est tout prévu, c'est tout prévu. Alors, mes amis les Silverfish, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec vous? Parce que l'avantage d'être sur une cube, d'être sur une case, c'est aussi un des avantages, c'est qu'on est facilement noyable, en fait. Mmh. Alors, là, normalement, ils devraient tous être submergés. Enfin, une bonne partie, ceux qui sont sous moi, devraient être submergés, normalement. J'arrive. Alors, on va essayer de voir s'ils meurent. Et ouais. Ouais. On va attendre. Je crois qu'il y en a qui meurent. Il y en a qui meurent. Bah écoutez, c'est peut-être une solution de lâche, mais au moins c'est une solution qui marche. Ouais. Ouais, je confirme, il y en a qui ah, meurent. Ah, super. Bah voilà, elle était là la solution, c'était tout simplement de les noyer. Parce que c'est vrai, comme ce qu'il a essayé de faire Garni, qui allait en faisant un escalier, c'était pas une mauvaise idée non plus. Le problème, c'est que voilà, ces saletés vous poussent. Et Donc il reste encore pas mal. Eh ben on va les laisser se noyer, et moi pour l'instant je vais remonter en haut. Je vais reprendre de l'eau. Je suppose que là, tout ça, il doit encore y en avoir. Ouais, je me tape des lacs de... Alors donc, les 5 ou 6 petits silverfish que j'avais tués au début, c'était pas ça l'armée des silverfish. Voilà, non, c'était pas ça du tout. Hop, on a fait le plein d'eau, on descend. Tu fais une source, non? Non, c'est bon, pas besoin de recreuser. De toute façon, j'ai pas les équipements pour creuser. Ah. Alors, ah, il y en a encore, j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que je peux essayer de faire ici? Je peux peut-être viser, hop. Ouais, voilà. Ah, là, t'as bien submergé, je trouve. Ah, non, c'est pas encore tout à fait bien fait. Hop. Voilà, là, ça devrait être bon. Là, ils vont murfler, ça les fumiers. Alors, oui, tu peux les insulter de fumier, hein. Parce que c'est vrai qu'ils t'ont bien fait. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui sont à côté de ce que tu as fait, du coup, on passe. Oui, ils veulent pas venir. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est que tu te mettes là où il y a le coffre. Essaye de te mettre, ouais, vas-y, mets-toi là. Oh, ils sont trop cons. C'est bon, ça marche. Ils sont trop cons, bah oui, bah écoutez. Ah oui, c'est bien, en plus, on nous a donné un... Non, mets-toi une case à droite du coffre, à ta droite. Voilà. Je crois que ceux-là m'ont un gros mois. Bon, il en restera quelques-uns, mais ce sera vraiment plus un problème. Ah non, il y en a encore plein par là. Mon dieu. Et ça me fait penser à ces films d'horreur, enfin films d'horreur où il y a des centaines de milliers de rats. Enfin, je sais pas trop si on peut appeler ça un film d'horreur, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, des films où il y a des trucs assez... Le retour de la vengeance des rats. Oui, un truc dans le genre. Allez, donc, ça se bourrez. Dépeuple, hein, tout doucement. Ouais, tout doucement, faut attendre, hein. C'est vrai que c'est pas super excitant, mais en tout cas, c'est un petit peu plus sympa que... Ah, mais dis donc, c'est qu'il y en avait d'autres. Ah, non. Ah, tu vois, je peux pas tomber grâce à... Ah, par contre, ah, les saletés de chez saletés de chez saletés. Ah, mais c'est pas vrai, il y en avait plein d'autres. Bah oui, je t'ai dit, il y en a encore.
Non mais je peux plus remonter. Ah. Attends, si, j'ai encore un cube de... Oh non, mais attends, c'est horrible, j'ai un cube de bois, où est-ce que je peux le mettre pour remonter? Bah, tes pieds, non? Ah oui, attends, ouais. Le gars découvre Minecraft. Touk. Non mais, oh, c'est bon. Vite, 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 vite. Oh, remonte, remonte, remonte. Oh, mais c'est pas drôle. Bon, au moins, il y en a encore quelques-uns qui sont morts. Voilà. Oh, mon Dieu. Par contre, par là, il y en a pas d'autres qui apparaissent, donc... L'eau permet de... De remonter facilement. De remonter. Et ben, comme il y a un trou qui s'est ouvert, je vais récupérer l'eau et je vais encore les noyer, ces espèces de fumier. D'accord. Tiens, je lag tout le temps quand je passe ici, c'est bizarre. Mm-hmm. Enfin, bref. C'est marrant de voir vu de l'extérieur. Ouais, t'as vu ça, ça offre un autre point de vue. Ouais. Donc malheureusement, enfin bon, c'était un peu aussi un délire, hein. Ça m'a permis de voir 2-3 bonus, 2-3 trucs. Oui, bon, c'est pas si grave que ça. Mais je vais pas faire genre je les ai trouvés comme de par hasard, hein. Je le dirai, ça. Et je voilà. L'ai vu, ça je l'ai vu. Mais là pour l'instant on en est pas là, on en est à bousiller du Silverfish. Alors je n'avais jamais vu hein, auparavant et j'étais bien content en fait. Je suis bien content de ne pas en avoir vu avant. Alors moi j'ai le droit d'en voir une fois, J'en ai vu dans... Ah oui, ça lag tout le temps ce moment-là, c'est bizarre. J'en ai vu dans la map, que je dis pas de bêtises, une map qui se déroulait autour du monde, j'ai oublié le nom de la map. Mais c'était une map où on visitait plusieurs pays. Plusieurs de différents pays. Et il y avait un endroit très sympa dans le Grand Canyon où on rencontrait des Silverfish. Je t'ai perdu. Ah, j'ai perdu mes pouvoirs. Ah, vous l'avez... Ah, d'accord. Ah ouais, je me tape des lags puissants. Il y en a encore ici. C'est à cause du... Bah, je crois que c'est à cause des 250 Silverfish. Ouais. Ça se noie, hein, tout doucement. Mais... Ouais, bah aussi, si on peut essayer de les noyer un petit peu. Bah ouais, je crois que ça va en faire spawn up. Parce que là où t'es, il y en a encore pas mal. De toute façon, attends, ici, je peux faire une source infinie. Une source infinie, oui, bien sûr, une source infinie. Une source infinie, plutôt. Voilà. Alors. Et on en a combien de temps, là? Ah, on vient d'en voir. Oh non, non, encore pour 3-4 petites. D'accord. Minutes. Ouais, ça vient ici aussi. Bande de saleté, bande de saleté. Alors, dire ouais, c'est horrible, ça va être inondé, bah c'est pas grave. Ouais, parce qu'après, c'est Garnic qui reprend. Moi, je nettoie les Silverfish, je me casse et je laisse Garnic. Se démerder. Voilà, se démerder avec tout ce qu'il y aura. Non, mais de toute façon, si c'est une question pour. Si c'est juste pour récupérer de l'eau, ça, c'est un truc qu'on trouvera pas, quoi. Ça sert à rien de filmer ça. Alors, là, hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, mais il y en a encore pas mal. T'es où, toi? Ouais. Alors, si tu descends sur ta droite, et il y en a encore pas mal. Hein. Ouais, tout là, il y en a encore pas mal. Ouais, mais déjà que là, je me fais pousser. Arrêtez. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils sont pas noyés sous les... Sous les blocs où tu es, non. Ouais. Ils restent là, et ils sont squat, pas noyés. Du coup. Ah, ça craint. Tu peux toujours trop faire une épée en or, hein, puis tenter d'en fumer quelques-uns. Non mais faudrait que je m'approche ici en fait. Et ici ils sont sous... Si je dis pas de bêtises. Sous tes pieds, oui, ouais. Non, non, un cube devant. Ouais, y'en a aussi, ouais. Ouais, donc là ils sont en train de se noyer. Ah ouais, y'en a vraiment beaucoup. Ah, saleté de courant d'eau. Attends, donc t'as perdu tous tes steaks, non? Tu les avais j'en avais pris la moitié avec moi, et j'ai perdu par contre tout le reste que j'avais. Bon, là j'ai une revoir de diamants, mais ça va pas m'aider beaucoup. Deux diamants, non, c'est pas assez pour faire une pioche. Bon, t'as bien réalisé l'objectif, ouais, mais j'ai quand même perdu la pioche. Ouais. Ah, on les entend meurfler. Ouais, tant mieux. Bande de saletés et feuilles nous dégoûter, tiens. Ah ouais, là c'est encore mieux. Ouais, mais même là si je me fais une épée, je serais obligé de descendre en bas pour m'occuper de... Aïe. Ah, mais c'est horrible de se faire attraper comme ça. On a l'impression de se faire attraper par les jambes et de... Non.
Arrêtez! Oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Non, laissez-moi remonter, laissez-moi remonter. Ah. J'y retourne plus. Ah, ça se noie. Ah oui, c'est long, hein, désolé. C'est un peu long, mais ça se noie, ça se noie. C'est un peu long, ça se noie, et on va bientôt conclure. Sur ce génocide. Voilà, sur ce massacre de Comme vous pouvez le voir, il y en a encore une bonne paquet. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est que si tu te sens l'âme de. Enfin, le courage, c'est de plonger, d'aller chercher les autres et de revenir. Ah, mais là, je suis sûr de me faire grignoter en chemin, tu vois. Et j'ai des sous sur moi, j'ai pas envie de les laisser. Non, je vais les déposer dans le coffre. Et on va terminer cet épisode, je vais essayer de les attirer. C'est pas grave si je meurs. De toute façon, j'ai aucun stuff sur moi. Tu les as mis dans le coffre du donjon? Ouais, ça juste marche. À côté, ouais. Parce que celui-là, il est sur de la cobble, donc je suis sûr qu'il se fera pas... qu'il n'explosera pas, puisque les silverfish se cachent dans la stone, si je dis pas de bêtises. Bah, c'est de la stone un peu spéciale, en fait. Voilà, c'est de la stone déguisée, quoi. Ça se noie, ça se noie. Là, il y en reste une... Bah, tu ferais pas une épée en or pour être sûr... Enfin, pour pouvoir les tuer? Bon, je vais y aller à la main, on terminera cet épisode comme ça. Et tu reprendras la main sur... D'accord, sur le prochain épisode. Sur la suite, ouais, exactement. Bah, pourquoi il y en a plus, là monter... Il y en a beaucoup moins, là, d'un coup. Bah, ils sont morts, hein, un petit peu, non? Bah non, mais là-bas, dans le fond, il y en avait pas mal et je les vois plus. Ah non, ouais, d'accord, ils se noient ici. Attends, aussi, attends, ces là, gros débiles. D'accord. Bah, en fait, ça va, il y en a plus beaucoup, beaucoup. Sinon, un max. Hop, et je suis mort. Ah bon? Ah oui. Voilà, ouais, je suis retourné à la maison. Bah écoutez, ça va conclure cet épisode sur une pluie triste. Bon, on n'a pas le budget musical pour vous mettre une petite chanson triste. Mais on vous remercie d'avoir regardé ce troisième, si je dis pas de bêtises, épisode sur la map Minecraft World in a Box. Un épisode plein de noyades, plein de morts de notre petit Garnick. Une mort pour ma part. Donc c'est Garnick qui reprendra la main sur ce prochain épisode. Il a l'astuce, il a trouvé la super... Enfin, j'ai trouvé la super... Puisqu'il va maintenant utiliser ses noyés, ses saletés de silverfish. On vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On vous dit à la prochaine. Salut à tous.